Salut la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, j'espère que Dieu fera en sorte que demain vous alliez mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer quelques exercices qui vont vous permettre d'être meilleur au football. Tout d'abord, j'espère que votre première partie de saison se passe bien, que vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez fixés. Maintenant, si ce n'est pas le cas, n'abandonnez pas et n'abandonnez jamais les objectifs que vous vous êtes fixés. Ça n'a pas marché maintenant, ça marchera demain. Le premier exercice que je vais vous présenter, c'est un exercice qui permet d'améliorer votre cardio. C'est un système de blocs. Maintenant, tout dépend de vous. Bloc de 2, 3, 4, 5, 6. Les chiffres correspondent au nombre de courses que vous allez faire dans ce bloc. Vous prenez un terrain Benjamin, comme dans la vidéo que je vais vous présenter juste après. Et en fonction du nombre de votre bloc, vous faites le même nombre de courses. Un bloc de 2, vous faites 2 courses. Bloc de 3, 3 courses. Mais vous enchaînez à chaque fois et vous laissez 30 à 40 secondes de repos entre chaque bloc. Vraiment, ça dépend des blocs. Maintenant, si vous êtes très bon au niveau de vos cardio ou si vous voyez que certains blocs ne vous font plus rien, n'hésitez pas à élever le nombre de courses. 5, 6, 7, 8, 9, mais vraiment, ça dépend de vous. Tant au niveau de la récupération, tant au nombre de courses. Ça dépend vraiment de vous. L'exercice est très modulable. Maintenant, il ne faut pas faire en sorte de le faire juste pour le faire. Il faut vraiment le faire pour bien travailler. Et enfin, les autres exercices qui vont suivre, ce sont des exercices techniques. Juste en regardant la vidéo, vous allez comprendre comment effectuer ces exercices. Par contre, il faudra être 2 pour les exercices techniques. Voilà mon gars, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésite pas à laisser un like, à t'abonner à ma chaîne YouTube, de laisser un commentaire dans les commentaires. Peut-être ça aurait été mieux si j'aurais dit avis. Putain, c'est bête ça. N'hésite pas à laisser un commentaire dans les commentaires. Ouais. N'hésite pas à laisser un avis dans les commentaires, c'est mieux comme ça. N'oublie pas d'activer les notifications pour les vidéos. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.